Candy pourrait être le premier singe au monde à comprendre non pas des mots isolés, mais des phrases entières. Oups. Liz Pew a recours à quelques objets pour le prouver. Tu pourrais attraper la seringue, et faire une piqûre à la poupée sur le ventre. C'est très bien. Candy, tu peux prendre les oignons et les mettre dans le chapeau de lapin. Prends les oignons et va les mettre dans le chapeau de lapin. Merci. Tire là-dessus. Voilà. C'est bien. Maintenant, tu peux l'enlever comme ça, tu vois? Tout doucement. Tu peux aussi enlever le bonnet de la poupée. Et les chaussons de la poupée. Voilà. Très bien. Les capacités langagières de ces deux bonobos sont bluffantes. Mais ils n'utilisent pas le langage de la manière sophistiquée comme le font les êtres humains. Ils peuvent comprendre et suivre des instructions, mais ça ne va pas plus loin dans la complexité. Ils ne semblent pas en mesure d'exprimer des pensées ou des émotions. C'est donc peut-être bien le langage qui nous sépare. On va devoir déplacer la table.